Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, yon journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule ou non. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Journal Gazette Créole, retrait la caillou. Mes titres capé dominé. Actualité dans le journal ça pour jeudi. Mouvement protestation après poursuivre. Syndicat annoncé pays à faire lundi à mardi cap venir. Mouvement ça qui a fait pour dire non parmi l'autre sécurité généralisée et puis ça fait kidnapping dans cap va les terrains. Inspecteur général France LB, c'est nouveau directeur général PNH là, nouveau responsable à prendre direction institution ça dans un moment côté gang examio après hier surtout dans capitale là. France LB remplacé Léon Charles, plusieurs secteurs ont réclamé des palis à cause comportement passif li face avec groupe Améo avec toute stratégie li pas gagné pour faire des kidnapping nan et puis rétablir sécurité. Gros chef gang Katsama Ozoa, l'an mort sans jour menacé pour t'a exécuté 16 missionnaires américains avec canadiens qui étaient subi za kidnapping 16 octobre passé à Silipa et joine Salmande. Chef gang l'on a rappelé qui réclamait 17 millions de dollars pour relâcher otage d'après déclaration li fait dans une vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux. Paquet Port-au-Prince lance un mandat année contre Jimmy Cherizier alias Barbecue, Doriska et Robert avec un Busta John, chef fédération gang G9 l'an avec deux acolytes accusés d'un tentative assassinat, association malfaiteur et puis attentat sur la vie membre d'un gouvernement qui a un rapport à incident 17 octobre là dans Pont Rouge. Chef paquet a pris mesure interdiction pour pas quitter pays à contre Busta John qui est résidence dans le pays Canada. Commissaire gouvernement France Louis Juste fait connaître et après poursuivre pour déstabilisation société. Pour un petit garçon, président assassiné Jovenel Moïse déposé une plainte contre X à travers avocat Lio. Mercredi, comme partie civile, plainte ça a été déposée dans le cabinet instruction juge Gary Aurélien. Avec et plainte ça, déposé à Jovenel Moïse, voulait forcer la justice pays à la Cour internationale là tout pour travail pour arriver jeune auteur à tout le monde qui gagne ouais à assassiner papa Li. D'après sa avocat, maître Patrice Florvillus se fait connaître. N'a pas retourné, mettez prochain. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Events Alcime. Et puis dans le micro, a gagné une activité Prioli Pierre-Louis. Nous retournons pour détails, informations. Yo, mouvement protestation yo après vous suivre. Syndicat yo annoncé pays a fermé lundi avec mardi cap venir. Mouvement ça qui a fait pour dire non. Parmi l'autre, avec insécurité généralisée, ça fait kidnapping qui a valé terrain pour dire tout yo bouquet avec ça fait kidnapping qui a fait sous chauffeur avec tout passager et marchandises qui gagne qui a connu poté. Viol qui a fait sous mesdames yo, la vie chère, gaz cap van marché noir et la trier. Nous allons écouter déclaration Jacques Anderson Desroches lui-même qui a parlé plus sous objectif de mouvement Silayo de Josayo cap c'est lundi avec et mardi lui-même qui a parlé nanon Fossa. Depuis le 15 octobre, nous avons annoncé date 25 là, qui sont date 8 avril dans le cadre des matchs de bataille là, parce que nous sommes initiateurs de bataille ça depuis le 4 octobre. Et de fait, tout le groupe qui était rejoint, nous sommes pas quoi, on est content. Je dis de manière très spéciale, nous déjà écrit en pile le monde dans le secteur privé des affaires, on écrit en pile le monde. Et nous autres, au niveau de la FOSA, il y a deux groupes qui commencent à rejoindre nous. Et tant que CSH qui là, tant que syndicat Greffier d'Haïti au CLA, tant que Union nationale des transporteurs là, il y a des groupes qui décident de cacher l'ombre. Il faut entrer dans l'opération FMV. Important dans quatre batailles. Il met 60 changements dans la tête police, dans toute bagarre, il va changer. Parce que premier donne, autorité qui a nommé mon nom, il va gagner confiance.
populaire. Tout secteur y a touché. Nous t'ai parlé de correspondance que nous t'avons adressé à plusieurs secteurs, par exemple mon, l'école, l'église, grand patron. Yo. Finalement, qui ça, est-ce que correspondance a yo, finalement acheminé? Combien qui répondent nous et qui ça répond sur yo? Nous pas de réponse de manière exhaustive, mais y a acheminé sur le gars pour que Baba sa provision de Belgarien. Nous acheminé tout. Ça qui est fondamental pour nous, je dis là. C'est nous autres au niveau de la société civile qui sont conscients de ça. Hein? Et nous commettons nous ensemble pour nous en faire. Parce que comme nous, on hypocrisie, tête chargée, qui est la bataille de classe et de lutte en Haïti. Et la donne, il est maquillé à tous les niveaux. Et Grémoun, parce que Roma qui n'est pas intéressé, il va décider à Bodin. Nous pensons qu'il faut payer à faire ici à lever comme lui-même. Et j'en ai annoncé lui, c'est 25, 26 et 27, ces dates qui retenent l'opération FMVIA. Pour nous demander d'acte politique pour une décision qui a payé. En ligne directive. Donc nous parlons certainement les édouards en quel monde et nous pas quoi dans les édouards tout. Donc nous autres, nous apprenons distance nous et nous continuons à engager nous pour faire comme. Déclaration Jacques Anderson Desroches dans Fossal, dans le micro M. Xavier, qui t'a parlé sur le mouvement ça qui a fait à partir lundi avec Emma Dia pour dénoncer question insécurité, la vie chère, problème gaz là qui a vendu marché noir sur marché là et l'autre. Point toujours pour dire pas d'accord avec les questions et la vie chère, mais tout avec décision autorité au propre côté et DGI pour capable et question vignette, mais tout yo dit au bouquet avec question et pièce machine qui est montée mais rotaire, au bouquet avec question salaire minimum nan, qui pas jamais ajusté depuis un paquet de temps. C'est divers et revendications. Donc, quand vous avez à travers deux journées, ça, quand vous avez annoncé, pays a fermé pour capable et faire passer revendications. Inspecteur général Franz LB, c'est nouveau directeur et général PNH là, nouveau responsable à prendre direction institution policière là, normalement côté Gangzamio a prégné surtout dans la capitale là. Franz LB remplacé Léon Charles, plusieurs secteurs t'as réclamé des palis à cause comportement passif délégué face à fait groupe armé avec stratégie tout les pas gagné pour freiner les kidnappings et puis rétablir sécurité dans le pays. Réaction sur et démission ça, porte-parole syndicat et PNH là, Lionel Lazare, dit li prend note sur démission directeur général à IPNH à Léon Charles, policier qui est posé question sur sa décision ça, mandé tête li comment remplacement et remplaçant Léon Charles là, et pour être capable et freiner question sécurité ça, pays a fait face à si li pa gen moyen à disposition, en côté déclaration, Lionel Lazare. Sénat pour apprendre acte de démission, M. Léon Charles, nous connaissons qui était directeur général de la police nationale d'Haïti. Pendant le dernier temps, il y a une voix qui t'a levé. Si il n'est pas capable de remplir mission comme ça doit, s'il n'est pas capable de résultat pour lui remettre des missions, le bien pour lui changer. Nous-mêmes, comment nous comprenons ça au niveau Sénat pour apprendre? Bon, il y a un changement, il y a un changement. Nous prenons acte de changement ça qui fait dans le recommandement de la police, là, de changement de directeur général de la police. Là. Changement fait, c'est vrai, mais un changement pour qui ça? Ce n'est pas un changement pour un changement, c'est un changement pour permettre que gagner résultat qui baille par rapport à tout ça qui a passé dans le pays en termes de problèmes d'insécurité, de kidnapping, problèmes de gaz qui n'a pas gagné à cause de matissant que monsieur bloqué zone dans le gaz pas qu'à passer. Nous souhaitons que changement ça a l'hypothé des résultats positifs pour population. Mais tout, c'est un changement qui pour marcher avec moyens, il faut gagner accompagnement qui fait, il faut qu'il accompagne le nouveau directeur général là. Ou pas qu'à mettre un nouveau directeur général et puis tout ou quitter le. Dans la même condition, M. Léon Charles, l'été a fonctionné. Selon Doré Nouguenien, est-ce que M. Léon Charles a démissionné ou il a été révoqué? Selon information que nous gagnons, bien que nous n'avons pas copilette là, mais selon ça nous gagne comme information, M. Léon Charles remet démission par le Premier ministre Ariel Henry. C'est ça que le monde te souhaité. Changement, les fêtes, nous souhaiter nouveau directeur général là, bonne chance. Et nous avons dit qu'il y a un paquet de travail qui a tenu, puis qu'elle pensait que c'est un travail qui est facile pour lui. Parce que ça qui a passé là, je dis, on nous vient directeur général de la police, ou qu'on paquet
paquet de bagages dans mes mains. Il pral mandé que pour le directeur général de la police là, dégager pour le reprendre confiance policière parce que moral policier attaqué. Et là, nous considérons que un paquet de bagages qui a passé au niveau de la police là, problème de ticket policier gagné, problème prime des risques au gagné. Et donc, nouveau directeur, il y a un paquet de bagages que l'IPRAL gagné pour le faire là. Et nous avons dit tout, Sinapoa, nous sommes syndicats dans la police là. Mission, nous, c'est travail pour institution, pour nous renforcer institution. Sinapoa, prêt pour le travail avec nouveau directeur général qui l'a. Comme inspecteur général n'a pas appelé et Franz Elbe, donc qui est rentré dans la fonction ça hier après-midi. Nous pouvons écouter qu'on y a déclaration, alors première déclaration, il fait pendant l'IEPRE direction PNH là, à nos côtés précision. La situation des personnes n'est pas garantie. Dans certains quartiers, les gens, les gangs, dans certains quartiers, les gangs font pas mal. La situation sécuritaire est accablante, à un tel point que la population est à l'abri. Cette situation de sécurité affecte toutes les composantes du pouvoir de l'État. Au niveau politique, elle a engendré une baisse de gouvernance, l'affaiblissement de l'État. L'insécurité a provoqué une baisse de la production nationale dans le domaine économique. Le manque d'investissement étranger, l'augmentation du taux de chômage, le ralentissement du tourisme, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La situation sociale est aussi affectée. La baisse des recettes fiscales empêche aux autorités étatiques de répondre aisément aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il incombe à tout un chacun d'apporter leur contribution au rétablissement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité avec des objectifs politiques, avec des stratégies et des actions bien définies, s'avère indispensable. Au niveau de la police nationale d'Haïti, le commandement uni, avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leur tâche à ce carrefour historique de la nation haïtienne. Déclaration nouveau directeur général de la police là et inspecteur général Franz Elbe qui t'a parlé hier. Le moment d'installation liant sous parmi l'autre situation insécurité à dans le pays. C'est le chef gouvernement Ariel Henry qui t'a fait installation et on nous écoute et déclaration qu'il t'a fait sous et nouveau directeur général de la police là et commissaire Franz Elbe. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite de haut et de bas. Et aujourd'hui, nous procédons à l'installation de nouveau directeur général par intérim de la police nationale. Nous voulons dire merci tout d'abord au Dégénéant pour les sacrifices qu'il a pu consentir pour servir. Sa tenue s'est passée dans une période très difficile. Et si le pays a tenu jusque-là, c'est grâce à son action. Merci encore. Nous avons reçu sa démission aujourd'hui et nous devons installer un nouveau directeur général. C'est M. Franz Elbe. Monsieur le DG, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons pour que l'ordre soit rétabli dans le pays. Que ce cycle de violence que nous vivons s'arrête et que nous puissions nous diriger vers une vie quotidienne plus normale et qu'ensemble,
nous puissions retrouver la voie de la stabilité et de la démocratie institutionnelle. Notre objectif, c'est d'avoir des élections, mais pour avoir des élections, il faut avoir la vie, il faut avoir la sécurité. Nous n'allons pas faire de bon discours. Nous disons le temps est au travail et la population compte aussi. Je voudrais vous remettre une copie du moniteur. C'est une copie de votre nomination comme DG. Nous espérons et nous souhaitons, et nous en sommes certains, que vous aurez la coopération de l'ensemble de la police. Déclaration, Dr. Ariel Henry, dans le moment installation, nouveau directeur général de la PNH, inspecteur général et France RB. Gros chef gang Katmarozo.